Bonjour à tous, je suis Daniela du Cluster Gap Caraïbes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter notre dernier webinaire de l'année avec Monsieur Martin Medina, qui est actuellement basé à Miami. Hello, I'm Daniela from the Cluster Gap Caraïbes, and today we have the pleasure to introduce you to our very last webinar for the year with Mr. Martin Medina, who is currently based in Miami. Il est le délégué général de Caraïbes Trans et il nous parlera du transport maritime caribéen et de sa connectivité locale, qui est un terme qui dessine à la fois le local et le global. He's the General Delegate of Caraïbes Trans and he will talk to us about maritime transport in the Caribbean and its global connectivity. Global is a term which designates both local and global transactions. Martin nous fera une présentation de 30 minutes, puis nous aurons un échange questions-réponses. Martin will make a presentation of 30 minutes, then we will have a time for questions, a time of exchange. N'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long de la présentation dans le chat. Martin se fera un plaisir de vous répondre à la fin de sa présentation. Bonne conférence. Please ask all the questions you may have during the presentation in the chat. It will be a pleasure for Martin to answer you in the end of his presentation. Have a very good conference. Good afternoon, everyone. Daniela, if I may start. Good afternoon, everyone. I hope I don't put you to sleep after lunch. It's 2 o'clock here in Miami, and I wish you a pleasant afternoon in the Caribbean. I want to thank the cluster. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis content d'être avec vous et j'espère que je ne vous tire pas du sommeil à 7 heures de l'après-midi, vu qu'il est 2 heures ici à Miami. I want to thank the cluster for inviting me to share with you. I'm not going to take it as a presentation, but as sharing information about our company and how we support the Caribbean community. Je voudrais remercier le cluster de m'avoir invité. Je ne vais pas précisément faire une présentation, mais je vais vous montrer comment nous travaillons dans la Caraïbe sur le plan maritime. And the best way to start is to letting you know who I am. La meilleure façon de commencer est de vous permettre de savoir qui je suis. So I was born in the Dominican Republic. So yes, I'm from the Caribbean. I lived in Puerto Rico and now I am in Miami. Donc je suis né en République dominicaine, je suis bien de la Caraïbe. Je vivais à Porto Rico et j'habite maintenant à Miami. I do have experience in the liner side of the business, freight forwarding, global logistics and supply chain. J'ai de l'expérience dans l'univers des paquebots, dans le transport, dans la logistique globale et dans la chaîne de logistique. I've been in the industry for 28 years. I started in the Dominican Republic, very young. I love shipping, networking, public speaking, and creating disruptions and adventure. Je suis dans l'industrie depuis 28 ans. J'adore le domaine maritime, le réseautage, la prise de parole en public, créer des interruptions, des interventions, et j'aime aussi l'aventure. I work for Tropical Shipping as the general manager for the MBOCC division in the Caribbean and Central and South America. Je travaille pour le maritime au niveau tropical, dans le secteur tropical, en tant que directeur général et consolidateur ou transiteur aérien en compagnie logistique sur plus de 24 destinations. I do know that we will have a session for question and answers, but don't hesitate to get with me after the call with my social media contacts. Je sais que nous aurons un moment d'échange après la présentation, mais n'hésitez pas à prendre contact avec moi via les réseaux sociaux quand vous en aurez le besoin. Just a small reminder of our disclaimer. One more time, I appreciate that the cluster invited me to speak to you today. I will print some of the information. It's based on my experience.
my years of service in the shipping industry, and for Carib Trans Logistics, specifically some of our services, features of, and services into the Caribbean. Alors, un rappel, je vais vous présenter ce que nous faisons de suite à la demande que le cluster a formulée auprès de nous. Nous avons des charges, mais de toutes les façons, vous pourrez consulter certaines informations que je mettrai à votre disposition suite à nos échanges de ce jour. So let's get started. Commençons. Areas that we're going to cover today are the Caribbean, and obviously we're going to take you back a little for a little bit into how everything started in the Caribbean. Les secteurs dont nous allons parler aujourd'hui sont bien sûr la Caraïbe, et nous allons vous faire un petit retour en arrière sur la Caraïbe pour commencer. And we're also going to speak a little bit about the economy, trading partners for the Caribbean, and we're briefly going to say what the local economy means for us. Nous allons aussi parler de l'économie, des partenaires commerciaux, de la région, de sa chaîne logistique, de la logistique dans la Caraïbe, et ce que la global economy veut dire pour nous. The region and its supply chain, what does that mean? La région et sa chaîne logistique. Qu'est-ce que cela veut dire? And then the region's logistics, how does that work? Comment est-ce que ça fonctionne, la région et sa chaîne logistique? And how we at Carib Trans Logistics and our family of companies provide the shipping solutions into the Caribbean for all the communities there. Comment est-ce que nous et toutes les compagnies que nous dirigeons arrivons à mettre en place une connectivité dans la Caraïbe? So without further ado, this is the Caribbean. I know that many of you live in the Caribbean, and some of you hopefully have been in our region for vacation or business. Donc, voici la Caraïbe. Je sais que beaucoup d'entre vous y vivent. Certains d'entre vous y sont allés, soit pour les loisirs, soit pour les affaires. I'm not going to stop too much in this page, but just to highlight a few facts. Je ne vais pas rester très longtemps sur cette page, mais je voudrais souligner quelques faits tout d'abord. So we are the Caribbean because of the Caribs, natives who lived in the islands back then. Nous sommes la Caraïbe à cause des Caribs, ce peuple qui habitait dans la Caraïbe de par le passé. And give or take, you can Google it. Some sources say we are 25 countries and territories, others say 23, but more or less we are about 25 countries and territories in the Caribbean region. Vous pouvez regarder sur Google, certains disent que nous constituons, la Caraïbe est constituée de 23 pays, d'autres disent 25. Vous pourrez vérifier sur Google de toutes les façons. Often referred to the West Indies because Christopher Columbus and his team landed somewhere in India. They thought that they landed in India, but in fact they landed in the Caribbean, which is the west of Spain. On parle de nous comme étant les West Indies, les Indes de l'Ouest, parce qu'en fait, toute l'équipe de Christophe Colomb pensait qu'ils étaient arrivés aux Indes, mais en fait, ce n'était pas du tout le cas. Et comme ils pensaient être arrivés aux Indes, donc ils ont donné à cette région le nom de West Indies. And then you have the three groups of islands, the Greater Antilles, which is from Cuba all the way to Puerto Rico, Jamaica and Hispaniola. Et puis vous avez le groupe des îles telles que les Grandes Antilles, constituées de Cuba, de la Jamaïque et d'Hispaniola. The Lesser Antilles that involve the Virgin Islands and obviously all the way to Trinidad and Tobago with all these smaller group of islands. Les Petites Antilles qui incluent les îles Vierges jusqu'au sud à Trinidad et Tobago. And then they have Bahamas, who's over the north of our group of islands, which involve about 700 islands. Et enfin les Bahamas, qui sont un groupe d'îles qui sont au nombre de 700 environ, 700 îles. Just to take you back to the origins of everyone in the region, we have Spanish origins, we have French origins, English, Dutch, and Danish. Pour vous ramener aux origines des uns et des autres qui habitent dans la Caraïbe, nous avons des Espagnols, des Français, des Anglais, des Néerlandais, notamment.
And I'm not going to spend too much time in this one, but just to show you more or less overall the islands in the Caribbean. Je ne vais pas rester très longtemps sur cette slide, mais c'était juste pour vous donner une idée de la Caraïbe. And then from a population standpoint, just to let you know, Central America is about 180 million people. South America, compared to us in North America, which we are 330 million people, South America is 430 million. La Caraïbe, c'est 180 millions d'habitants, juste pour vous donner une idée, alors que vous avez l'Amérique du Sud qui compte 230 millions d'habitants. Donc ça vous donne à peu près une idée des proportions en termes de peuplement dans notre région. Mexico is 130, close to 132 million people, but you can see the Caribbean, we are about 45 million, give or take, compared to the other regions. Mexico compte environ 132 millions d'habitants et lorsqu'on compare avec la Caraïbe, certaines parties comptent jusqu'à 45 millions d'habitants. 90% of the region population, as you can see in the south end of the presentation to the left, 94% of the region is comprised by five islands from Cuba, Haiti, Dominican Republic, Puerto Rico, Jamaica, and then all the way to Trinidad and Tobago. Comme vous le voyez sur la diapositive, 90% de la population de la région est concentrée sur 5 îles des Grandes Antilles, qui sont Cuba, Haïti, la République dominicaine, Porto Rico, la Jamaïque, Trinidad et Tobago. Just to give a further flavor of the region, Cuba is the largest in population, and the highest population density is in Saint Martin. As you know, Saint Martin co-shares two countries, actually. Is a French side of the island and then Dutch side of the island. Juste pour vous donner une idée, Cuba est l'île qui a la plus forte concentration, en tout cas la population la plus importante, tandis que Saint Martin a la densité de population la plus importante. Yes. Martin, sorry. Daniela is asking me if you could actually show the slides, because when we're talking, people cannot see the slides with us. They cannot follow the slides. Give me one second. Okay, Martin, can you hear me? I can, yes. Okay. Could we restart from the slide we've got on the screen now, please? Which one do you have in your screen? The population, Central America, the one we just talked about with Sid Martin and the density of all population. All right, I will continue. So I hope everybody can hear me, and we apologize for the technical difficulties. J'espère que tout le monde peut m'entendre. Nous sommes désolés, nous excusons pour ces difficultés techniques. So, je vais continuer. I was describing the population of the region, and this is going to lead us to the different densities of the region. And I was speaking about Central America, South America, Mexico, and how it compares to the size of the Caribbean. J'étais en train de décrire la population, particulièrement la densité de population dans la Caraïbe. Comme vous le voyez sur l'écran, nous avons des îles qui ont une densité de population qui est bien supérieure à d'autres. Et c'est important en termes de logistique. And that's just to make the moment happier after the technical difficulties. These are our pirates, but we're going to talk about them later. Et maintenant, un petit clin d'œil humoristique, surtout après ces problèmes techniques. Vous voyez certains de nos pirates à l'écran, mais on va y revenir un petit peu plus tard. And we want to now talk about how the region is doing business, what is the consumption commodities, and then we're going to lead to how we as a company help the region to support its everyday consumption. Nous allons voir maintenant comment la région se développe en termes d'affaires, en termes de consommation, et nous allons voir également comment nous, en tant qu'entreprise, nous pouvons aider la région à se développer. Just for the sake of time, I'm just going to go quicker on the following pages, but this one is to illustrate
that the conception is that in the Caribbean, everything, for the most part, needs to be imported from somewhere. Je vais aller assez vite puisque nous avons des problèmes techniques, donc je ne veux pas perdre plus de temps. Les slides que vous voyez nous permettent d'illustrer les besoins essentiels qu'il y a dans la Caraïbe. Il s'agit beaucoup de besoins autour de la consommation de biens et de services. Whether you live in the Caribbean or you're visiting on vacation or in business, everything that you see there will have to be imported somewhere. Que vous viviez, que vous travailliez, que vous veniez en vacances. Dans la Caraïbe, pratiquement tout ce que vous voyez là est en fait importé dans la Caraïbe. And then this is a typical picture of you probably in the Caribbean having vacation or having fun. Voilà une image typique probablement qui représenterait bien l'un d'entre vous lorsque vous êtes dans la Caraïbe en vacances. And this is a typical picture when you see the Caribbean from a business standpoint. Et ça, c'est une image classique de la représentation du touriste d'un point de vue des affaires. What this is telling you is that life goes on in the Caribbean. Everything that you find anywhere else in the world, you find it in the Caribbean. The Caribbean is just not a vacation region, but it needs the connectivity with the world for us to take care of each other every day. Ce que vous voyez, en fait, vous indique que tout ce qui se passe dans le monde se passe également dans la Caraïbe. Ce qui est dans le monde, ce qui existe de partout dans le monde, existe également dans la Caraïbe, grâce à des moyens développés de connectivité qui permettent d'amener tous ces produits dans la Caraïbe. Which leads me to the following page. Who or what drives the economy in the Caribbean? Cela m'amène à la page suivante. Qui ou qu'est-ce qui conduit, qu'est-ce qui mène l'économie dans la Caraïbe? The everyday consumption by locals. La consommation journalière par les populations locales. The everyday consumption by tourists. La population journalière par les touristes. And the everyday consumption by both local and tourists. Et la population locale, la consommation journalière de la part des locaux et des touristes. So in the first case, obviously, that involves all of us in the Caribbean, right? The island population. Bien sûr, dans le premier cas, cela implique chacun d'entre nous au sein de la Caraïbe. The second driver is the cruise ships, the yachts, the marinas, and all the island attractions. Dans le deuxième cas, il s'agit des bateaux de croisière, des yachts, des marinas et de toutes les attractions que l'on peut trouver dans les îles. And then the third group is obviously the hotels, the restaurants, the bars, the cafes, and any other informal businesses that we see in the streets to cater to the local and the tourists. Et la troisième catégorie comporte les hôtels, les restaurants, bars, cafés et tout autre aménagement qui permettent de recevoir les touristes dans la Caraïbe. So how all of that local activity connects with the world? And this, the local approach, it comes from the simultaneous occurrence of both universal and particular tendencies in today's social business, political businesses, and economic systems. Comment est-ce que cette consommation locale est en lien avec le monde? Donc c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on appelle la glocalisation. C'est le fait qu'il y a une apparition simultanée des tendances à la fois universelles et simplifiées des systèmes contemporains sur les plans social, politique et économique. And as we in the Caribbean depend on tourism heavily as the main engine of growth, providing about 25 million visitors every year and about $50 billion in contribution, supporting 700,000 jobs directly and about 2 million jobs indirectly. Être local, cela veut dire pour nous, en fait, être local, c'est que la majorité des îles de la Caraïbe dépendent du tourisme comme étant un moteur de croissance principal. Il y a environ 25 millions de visiteurs et 45 milliards de dollars de contributions qui soutiennent directement 700 000 emplois et 2 200 000 emplois indirects. And it's worth mentioning, as I say in the bottom of the page, the Dominican Republic has manufacturing. Puerto Rico has large manufacturing as well from the medical supplies sector. And then, as we all know, Trinidad has oil and gas business. Il est important de souligner que la République dominicaine est fortement développée dans le domaine de la production,
Porto Rico en termes de produits médicaux et Trinidad dans le secteur de gazier et de l'huile, des carburants. So, to summarize, the Caribbean needs to provide its people. Donc, pour résumer, la Caraïbe doit subvenir aux besoins de son peuple. It needs to entertain the locals and the global tourists. Elle doit aussi fournir des distractions à ses populations et aux touristes internationaux. Which means they must interact globally to supply its local interests. Cela veut dire qu'elle doit interagir de façon globale afin de soutenir les intérêts locaux. And how do they do globally? This is going to show you, I'm not going to spend too much time, but just to give you a little flavor of the region's interaction with the world. Je ne vais pas passer énormément de temps là-dessus, mais juste pour vous donner une idée des différentes interactions qu'il peut y avoir à l'échelle planétaire. And from the United States, close to the region moves close to a million TEUs, which is a 20 equivalent unit containers every year. Dans le secteur, dans la zone des États-Unis, il y a 972 000 équivalents de 20 pieds par an qui sont transportés par voie maritime. Panama, which we all know, is active, very active in the Caribbean, and we will see next. Panama, comme nous le savons tous, est très, très actif dans la Caraïbe. Nous le verrons tout à l'heure. At some point, Costa Rica has a footprint in the with CARICOM, with a free trade agreement. Le Costa Rica a des accords avec le CARICOM, des accords de libre-échange. Through NAFTA, the Dominican Republic also has an interest with Central America with a free trade, with NAFTA, the free trade agreement. Avec les accords de libre-échange, la République dominicaine a des accords avec l'Amérique centrale. And there are many more bilateral agreements from the region to the world. Et il y a encore beaucoup d'autres accords bilatéraux dans la région. And then quickly, so we move along, as you can see in the right hand, China has a footprint in the Caribbean. Comme vous pouvez le voir, on descend rapidement, on continue rapidement. La Chine s'est installée dans la Caraïbe, vous le voyez sur la droite. With the Dominican Republic being one of the largest traders with China. La République dominicaine a énormément d'échanges, a le plus d'échanges avec la Chine. Trinidad and Tobago also has a good footprint with China with a lot of construction projects and oil and gas. Trinidad et Tobago a aussi des projets dans le domaine de la construction, le domaine gazier et minier avec. And then Jamaica, Puerto Rico and Haiti, we do know that they have a consistent trade with China among others. Et de même que la Jamaïque, Porto Rico, Haïti ont également des échanges réguliers avec la Chine parmi d'autres pays de la Caraïbe. For all of you that are actually from the Caribbean, you can see the EU and the Caribbean and CARIFORUM, how it's been consistently from, there are 3 years there from 2015 to 2017, how it's been doing from an export and import standpoint. Pour vous qui habitez dans la Caraïbe, vous voyez un peu la place du CARIFORUM, de l'Europe au sein du CARIFORUM, de 2015 à 2018, sur chacune des deux années. Vous pouvez voir à quel point les échanges ont augmenté entre 2015 et 2017. And then we spoke about Panama. These figures are everything that exports from Panama into the region. It's provided by the free trade zone there. Is expressed in kilos, unfortunately. But you can see how the region benefits from the exports from Panama. Beaucoup de marchandises qui sont transportées de Panama jusqu'à la zone le sont grâce aux accords de libre-échange. Et vous voyez que toutes les mesures qui sont exprimées sur les slides le sont en kilos. And the majority of this business, as we probably know, is a lot of that is transshipment cargo from Asia into our region. Et la majorité de ces échanges se font à travers l'Asie jusqu'à notre région. We'll speak a little bit more in further slides about the manipulation of the cargo that happens in the Colon Free Trade Zone. Nous parlerons tout à l'heure des manipulations
dans le transbordement des marchandises. Unfortunately, in recent years, the free trade zone has suffered for Colombia and Venezuela's business because Colombia had a problem with the leather-based products, and Venezuela had problems with, obviously, cash. Récemment, la Colombie et le Venezuela ont eu des problèmes dans leurs échanges. La Colombie, par rapport à tout ce qui concerne le cuir, et le Venezuela en termes de liquidité. I'm not going to stop too much in here, but this is to give you a flavor of the kind of volumes that transit over the region. This is through 2017 there. Je ne vais pas assez longtemps sur cette diapo, mais c'est pour vous donner une idée de la quantité et des volumes d'échanges qu'il y a au sein de la Caraïbe. Sur l'année 2017. And as you can see, Freeport, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico, Dominican Republic are very busy with the volume transit in the region. Comme vous le voyez, Puerto Rico, les Bahamas, notamment, sont parmi les régions, les pays qui travaillent énormément et qui voient transiter énormément de marchandises. So, taking it a little bit further, let's see how the supply chain interacts in the Caribbean. And to not, just for the sake of timing, we all know the definition of supply chain, but for now, for today, we're gonna only speak about the warehouses that store and distribution channels that deliver to the retailers. Voyons maintenant comment se développe la chaîne logistique. On va voir quelle est la place des détaillants dans tout le processus de transport de marchandises. In both cases, obviously, we're speaking about shipping into the Caribbean, which is the next slide. Nous parlons bien sûr de transport maritime au sein de la Caraïbe. So, from a warehouse that store definition standpoint, I just wanted to share with you everything that goes into the Caribbean. Either transit over Florida, most of the North America and the world transshipments go through Florida. Pratiquement tout ce qui transite, tout ce qui va vers la Caraïbe, transite par la Floride. It goes through Panama as well, as we just talked. Panama is a hub. There is manipulation of cargo there, obviously transformation of cargo. And then La marchandise passe également par Panama, Panama qui est un hub. Et une certaine quantité de marchandises est transformée à Panama. Yeah, and Panama is a transshipment, I was going to say it's a transshipment hub for Asia, Europe, and Latin America. C'est un port de transbordement pour l'Asie, notamment. Same for Caicedo as a hub, manipulation and transshipment point from the US and Asia, Europe, and Latin America. Il y en a de même pour Curaçao. Par lequel transite une certaine quantité de marchandises vers la Caraïbe. Jamaica is also it's becoming a big player as a hub and transshipment for global markets and manipulation in the future. La Jamaïque est également un port de transbordement et le sera de plus en plus à l'avenir. And then Mariel in Cuba, last but not least, is becoming also a key player for global transshipment there. And we will see later on what they're doing. Mariel est également un hub, un lieu de transbordement qui est en fort développement. On le verra un petit peu plus loin. And then just to illustrate in the left, those pictures there illustrate, you know, Florida. The top picture is really where I'm at right now, my building. And then you got Panama and Dominican Republic, Jamaica and Cuba pictures there. Si vous voyez, vous regardez les images qui sont sur la gauche, celles qui sont en haut à gauche représentent l'entrepôt de Floride, là où je suis en ce moment. Et les images en dessous correspondent à la Jamaïque, Cuba, mais aussi à Panama. So from a distribution channels definition standpoint, shipping into the Caribbean, this is the Caribbean shipping ecosystem here. Voilà l'écosystème du transport maritime de la Caraïbe. You have your liners and ferries that deliver ocean cargo. Vous avez vos paquebots et ferries qui transitent par la voie maritime.
companies like us and tropical shipping fall into this category. Les compagnies comme les nôtres font partie de cette catégorie. You have airliners. Et vous avez les compagnies aériennes. You have logistics operators like consolidators and freight forwarders like our company. Vous avez les opérateurs logistiques comme nous, consolidateurs également et les expéditeurs. Then you have the e-commerce side of the business with the couriers and express and online shopping companies that are now evolving a lot. Vous avez l'e-commerce qui représente les livraisons express, livraisons en ligne et les courriers. And then you have supporting all of us, the public and the private operators, with the ports and the terminals. Et vous avez aussi les ports et terminaux, ainsi que les opérateurs publics et privés qui nous soutiennent. So those involve the ecosystem in the Caribbean. Donc ce sont eux qui font partie de l'écosystème caribéen. And then how it all plays out, we're going to see now. This picture is to illustrate the big red dots, illustrate hubs in the Caribbean, one way or another with the cargo transits. Les gros points rouges représentent les hubs dans la Caraïbe par lesquels transitent les cargos d'une façon ou d'une autre. From Florida, you have shipping lines departing every day from Florida. De la Floride, vous avez des lignes maritimes qui partent chaque jour. The two in green are our sister companies, Tropical Shipping and Tote Maritime. In green or in blue? Sorry, Martin. I have it in green. Martin? All right, okay. I've got blue and okay. Red. Only blue, actually. Blue and okay. Yes, Tropical Shipping and, say it again. And Tote Maritime. Okay. Donc, vous avez le transport tropical qui est représenté en bleu. Perfect. And there's the pool of shippers, the shipping lines going to the Caribbean every week. There are multiple sailings per week. We in our group have basically one sailing per week to every destination that we go. Il y a des compagnies qui font plusieurs trajets dans la semaine, mais nous avons un trajet à chacune de nos destinations chaque semaine. There are other global carriers at the bottom that come from Panama to the Caribbean. Vous avez tout en bas les transporteurs internationaux qui viennent jusqu'à la Caraïbe. And they either transit via Port Caicedo in the Dominican Republic, Jamaica, and the Bahamas. Ceux qui passent par Caicedo, la République Dominicaine et les Bahamas. Florida, I'm not going to go through all of them, but just to illustrate how Florida is the gateway to Latin America, and certainly the Caribbean. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais vous voyez que la Floride est une porte d'entrée vers les États-Unis, mais aussi vers la Caraïbe. And then you have specifically specific ports that are contributing to support the Caribbean, like Rio Haina and Puerto Caicedo. Et vous avez des ports qui soutiennent énormément les échanges au sein de la Caraïbe. Can you just say the names again, please, Martin? I'm sorry. And just the names of the ports? Port of Rio Haina and Port of Caicedo in the Dominican Republic. Port de Rio Haina et de Caicedo en République Dominicaine. Both of these ports have developed what they call logistics hubs and to connect the Caribbean. Ces ports se sont développés et sont devenus des hubs logistiques afin de développer les échanges dans la Caraïbe. And their logistics clusters are now in full effect. Et ils ont des clusters logistiques qui sont très opérationnels maintenant. You also spoke about Panama, that it serves to connect both sides of the world, right? Nous avons aussi parlé de Panama, qui permet de connecter les deux parties du monde. And then you have Jamaica, whose key transshipment multi-purpose point. Et vous avez aussi la Jamaïque, qui est un lieu clé de transit de marchandises. Jamaica is positioning themselves to become full logistics service provider. La Jamaïque est en train de se positionner pour être un fournisseur de services logistiques efficaces. And from warehousing, cold storage, to
cargo manipulation and other auxiliary services. Également en ce qui concerne l'entrepôt, les manipulations de marchandises et tout autre type de service en lien avec la logistique. So how all of that we discussed about trading and our origins and how the region is connected is going to lead us to how our family of companies support the region. Nous allons voir maintenant comment nos compagnies soutiennent le transport logistique dans la région. So we are part of a group that is called Saltchuk. Saltchuk is a family-owned company founded in 1982. Sorry, Martin, what slide are you on right I'm now? Sorry? What slide are you on right now? It's after Jamaica. Mm-hmm. Then you have after you have a ship on an ocean. And mm-hmm. then you have a bluish, more or less, screen with a guy there standing, staring at you right now. And the title is called Saltchuk. Saltchuk. Okay. So Saltchuk is the owner of our, is the father of our group of companies. And it was founded, if you click again, it will pop up another small screen. That's all right. Okay, so it's family owned, founded in 1982, is the second generation. So Chuck est une société familiale qui a été créée en 1982. They have six key basic business units. Ils ont six unités commerciales essentielles. And more than 5,500 employees in the US and the Caribbean. Et plus de 5500 employés aux États-Unis et dans la Caraïbe. We serve the continental United States, Alaska, Hawaii. Nous desservons les États-Unis, l'Alaska, Hawaii, les Bahamas. The Caribbean and Puerto Rico. La Caraïbe et Puerto Many of you would say why Puerto Rico is different from the United States. Beaucoup d'entre vous se demanderaient pourquoi est-ce que Puerto Rico est différent des États-Unis. The reason we wanted to highlight the U.S. and Puerto Rico and the Caribbean separate is because we have a U.S. flag shipping company, Tote Maritime, that goes to Puerto Rico. La raison pour laquelle nous avons voulu séparer les États-Unis de Puerto Rico, c'est que nous avons un pavillon américain. And then the other one is Tropical Shipping, who serves the international markets. Tandis que les autres constituent des transports maritimes tropicaux. The importance of this slide, talking about our company with everything that we talked about earlier, is that our group have marine services into the region. L'importance de cette slide qui présente nos activités nous permet de voir que nous avons des services maritimes. Air cargo services. Des services de fret aérien. We have energy distribution, oil and gas. Nous avons des services de distribution d'énergie, l'huile et le gaz. We have logistics companies like the one that I represent, Caltrans, who is a consolidation facility. Nous avons des sociétés de logistique comme Caltrans, celle que je représente actuellement. We have domestic shipping with two trucking companies here in the United States. Nous avons du transport intérieur. And then the international shipping with Tropical that serves the majority of the Caribbean. Et du transport international, avec notamment du transport tropical qui dessert la Caraïbe. And then this is a, just moving along, these are the companies in our group that serve the Caribbean. Et je continue vers les autres sociétés qui desservent la Caraïbe, les autres sociétés de notre groupe qui desservent la Caraïbe. I forgot to mention two of the companies. One is a insurance company. J'ai oublié de mentionner deux compagnies qui travaillent avec nous, qui sont partie du groupe, une compagnie d'assurance. And the bottom right one is called FOSS. It's a tugboat operator. Et celle qui est tout en bas à droite sur l'écran
qui s'appelle FOSS. Many of you probably know Tropical Shipping. They own Caltrans. Beaucoup d'entre vous connaissent le transport tropical. Ils possèdent Caltrans. And we have our own resources to support the Caribbean with our own ships. Nous avons nos ressources qui nous permettent de travailler sur la Caraïbe. Nous avons nos propres navires. Worth mentioning, we just released new ships into the Caribbean, and we are glad to report that no one else is building ships into the region. Nous avons mis en service de nouveaux bateaux dans la Caraïbe, et nous sommes fiers de dire que nous ne sommes pas nombreux. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui sont capables de faire comme nous. This is a picture of our port here in Riviera Beach, in West Palm Beach, north of Miami. Vous voyez une image de notre port, à Palm Beach. Probably Miami. 80% of the activity of the port is us. Probablement, il est possible que 80% de l'activité du port soit représentée par nos activités à nous. And then now I would like to present the company that we appreciate the cluster to invite, which is Caltrans, where I sit. Et là, vous voyez la société Caltrans, où je suis en ce moment, et je remercie le cluster de nous avoir invités. I'm glad to say these two pictures were taken with my cell phone. So I'm very glad to do that. Je suis contente de pouvoir vous dire que ces deux photos ont été prises avec mon téléphone. So who we are? We were founded in 1985, privately owned. Donc, qui sommes-nous? Nous avons été créés en 1985. C'est une société privée. Acquired by Tropical in 2008. Donc Tropical Shipping a fait l'acquisition en 2008. So Chuck, as I mentioned, acquired Tropical in 2014. Saltchuck, dont j'ai parlé tout à l'heure, a fait l'acquisition de Tropical Shipping en 2014. As Caltrans, we operate in more than 24 ports in the Caribbean, Central and South America. Caltrans opère dans plus de 24 ports dans la Caraïbe, en Amérique centrale, ainsi qu'en Amérique du Sud. We have our own staff here in Miami, in Panama, in Antigua, Saint Martin. Nous avons notre propre personnel ici à Miami, à Antigua, à Panama, à Saint Martin. Just to highlight, as I mentioned before, we are brothers. We, in our group, we have a marine insurance company, Seven Seas Insurance. Nous sommes en fait des compagnies sœurs et nous avons sept. Le nom de la société, c'est Seven Seas Insurance, une société d'assurance. We run our own operating system to do our bills of lading, to do the manifests and receiving all the cargo. Nous avons notre propre système d'opération. I'll speak later on. I'll speak about our warehouse just for the sake of timing. And we move in terms of containers. Those of you that knows what TU is, we move about 6,000 TUs a year. Je vais parler un petit peu plus tard. On n'a pas beaucoup de temps de l'entreposage, mais en fait, comme vous voyez sur l'écran, nous avons 6,000 équivalents d'un pied par an. We are licensed and VOCC, which means we have our own bill of lading. We have the same rights of an ocean carrier. I would say, let me say, I don't want to confuse you. We have our own rates and tariff with the Federal Maritime Commission. Nous avons nos propres prix, nos propres tarifs, mais qui sont en accord avec la Commission fédérale. Nous avons la licence de consolidateur au transit aérien ou compagnie logistique, ainsi que la licence IAC. And same for air freight. Il en est de même pour le transport maritime. And then, aérien, sorry. From a service standpoint, for those of you that are versed on the shipping terms, we do full load containers. We do less than container loads, LCL, and we offer air freight consolidations here in Miami. Nous travaillons sur différents types de containers et nous travaillons aussi beaucoup en fret aérien. We have receiving station here in the United States. You will see in the next slide. Nous avons des points d'accueil ici aux États-Unis, comme vous voyez sur la diapo suivante. And the way we connect the world with the Caribbean, it's but three different ways. From Miami, which is our weekly hub.
Nous avons différents moyens de connexion. À partir de Miami, nous faisons des connexions hebdomadaires. We have from Panama into the region via Miami and directly via the Dominican Republic. De Panama jusqu'à Miami, mais aussi de Panama jusqu'à la Caraïbe par l'intermédiaire de la République dominicaine. We have global connecting partners from Asia and Europe. Nous avons des partenaires mondiaux via l'Asie et l'Europe. We, the majority of our services are with based on agent, third-party agencies. La plupart de nos services sont basés avec des services fournis par les agences tierces. We still do not service Cuba. You do not, sorry, you do not do service. Correct. Cuba. And then we have our own ships, as you saw before, through our parent group. Nous avons nos propres bateaux, comme vous l'avez vu tout à l'heure. And we use our own planes through our parent companies, as you saw as well. Et nous utilisons également nos propres avions pour le transport aérien. In North America, we have we cover the whole territory through seven receiving. We call it CFSs, container freight stations, receiving terminals, from Canada all the way to California. Nous avons différents terminaux où nous recevons la marchandise en Amérique du Nord. Nous avons également un terminal au Canada. And this is more information about the our facility here in Miami. Is about 3 acres of land. Là, vous avez des indications sur ce dont nous disposons ici à Miami en termes de terrain. And then we do have, we call it, I'll say, a consolidation facility for LCL or in small package, meaning e-commerce, shop online kind of business. Nous avons également un lieu de consolidation, un centre de consolidation pour tous les petits paquets, notamment ceux qui nous arrivent par l'intermédiaire du e-commerce. The building is owned by us, is not through a third party, as is commonly practiced here in South Florida. Nous possédons l'immeuble, ce qui est très pratique. And then in summary, the Caribbean is still a multi-origin region, meaning everyone has a stake in it. Et enfin, pour conclure, la Caraïbe est une région à multiples origines et en fait, chacun d'entre nous a son rôle à jouer. And the interests are from the very own local interests to those in the Americas and Europe, for the most part. Qu'il s'agisse des intérêts locaux ou d'intérêts qui sont situés plutôt aux Amériques ou en Europe. So one of the takeaways is the region entertains the global taste for tourists, but it still has a local flavor and needs to satisfy it. La région a un véritable intérêt pour les touristes, représente un bel intérêt pour les touristes. Il y a toujours cette touche spécifique qu'il faut pouvoir leur apporter afin de satisfaire ces touristes. So the takeaway is that there are many options to supply the Caribbean, but we often lack knowledge of the supply chain and the logistics into our region. Il y a beaucoup d'options pour fournir la Caraïbe, mais la connaissance de la chaîne logistique, de la logistique en elle-même, souvent est insuffisante. And a community, a cluster approach is needed to push the desired goals. And one of the key important elements for this session today, provided by Sandra and her team and Daniela, is exactly this. Une communauté telle qu'un cluster, avec cette approche, c'est absolument nécessaire pour pouvoir pousser un petit peu plus loin les objectifs. Et le travail que Sandra et Daniela font à ce niveau-là, tel que ce qui est fait aujourd'hui, est très important. Just an advice, please continue to have an eye on Miami, Dominican Republic, Panama and Jamaica. And these areas are areas that will serve you still for many years to come as they are reinventing themselves into the future. Donc surtout, on continue à garder un œil sur Miami, la République dominicaine, Panama, la Jamaïque. Ce sont des zones qui vont
vous servir encore pendant de nombreuses années à venir et qui vont se développer. And then lastly, for Annalise, all of that we spoke about in the beginning ties to what we do as a group of companies. We've been in the Caribbean for 50 years. We continue to build our assets to support you guys in the Caribbean through our facilities here in Miami, through every island that we have our own staff there, through our ships that we're building that no one is building more. Cela fait 50 ans, même plus de 50 ans que nous sommes là dans la Caraïbe, que nous vous soutenons dans tous vos échanges, que ce soit par la mer, par les airs, par la terre, voire plus. Nous sommes là avec vous depuis quelques années. I do want to mention, and it's worth mentioning, especially with last year events in the Caribbean, our company runs every year what we call disaster recovery and business continuity management workshops. We hold those every year in two or three key locations in the Caribbean, and we are just releasing our agenda for 2019 very soon. So we want the public sector, we want the government to join us in making sure that the Caribbean is jointly, is on the same page, responding to any disaster, if they occur. Chaque année, nous organisons, et cela vous pourrez y avoir accès en consultant notre agenda en ligne, nous organisons une réunion sur la façon de gérer les différents désastres, les différentes catastrophes dont nous pouvons être victimes. Et vous pourrez avoir accès à notre agenda 2019 en ligne. Nous faisons ce type de manifestation en accord avec le gouvernement. We want to thank you for your time, and I'd be happy to take questions now. I believe Daniela will run it, or how is it going to work? All right. Je voudrais vous remercier pour le temps que vous avez accordé. Merci. Désolé pour ces inconvénients techniques. Je pense que maintenant, Daniela va prendre la suite éventuellement pour les questions que vous pourriez avoir. Are there any questions? Est-ce que les personnes qui nous écoutent ont des questions à poser aux participants? I'm waiting for the questions to arrive. Y a-t-il des questions? Okay, can you the questions? You got some questions on the screen coming up, Martin? Yes, we will be present in the supply chain day in May. Oui, nous serons présents à la supply chain day, nous serons à la supply chain en mai. Il y a une question de Jean-Claude? Oui, c'était ça. Thank you.
Rebonjour Martin. Hi Martin, hey. Can you see me? Yes, I can see you, Daniel. Okay, thank you for your presentation. Voilà, nous arrivons au terme de ce quatrième webinaire. We've reached the end of this fourth webinar. Je tiens à vous remercier car vous étiez aujourd'hui plus d'une cinquantaine à vous être inscrits depuis Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, la Jamaïque, Trinidad, la Dominique, le Brésil, la France, mais aussi la Côte d'Ivoire. I would like to thank you all because more than 50 of you were actually registered from Haiti, Guadeloupe, Martinique, Jamaica, Trinidad, Dominica, Brazil, France, England, but also the Ivory Coast. N'hésitez pas à contacter Martin si vous avez des questions en privé. Merci encore car vous êtes plus de 250 à nous avoir suivis sur l'ensemble des webinaires en ligne cette année. Please do not hesitate to contact Martin if you have any questions. More than 250 of you followed us during the course of this year. De plus, je remercie nos intervenants, notre intervenant Martin pour sa présentation. Ces ateliers en ligne n'ont pas été possibles sans l'accompagnement de notre partenaire, l'entreprise Angers Cucci pour la communication et l'agence Prolang avec Madame Nelly Niret à la traduction que je remercie. I would like to thank Mr. Medina, the speaker, today's speaker from Carib Trans, for his very nice presentation. These workshops online wouldn't have been possible. Thank you all. Without the team of our partners like Angers Cucci for the communication part, and the agency Prolang Caraïbes with myself, Nelly Niret, for the translation. Thank you. Thanks a lot. Okay. And have a great afternoon. Thank you, Martin. Alors, nous vous souhaitons de très belles fins de fête d'année. Je vous dis merci encore et à très bientôt. The professor wishes you very, very good, a very, very good end of year for 2018. And we would like to see you back in 2019. Thanks. Merci, au revoir. Thank you.